Moi, j'habite ici. Pour terminer notre série de reportages sur le Burundi, nous allons vivre quelques instants aux côtés de Gilbert, un étudiant à l'école de sport de Bujumbura, la capitale du pays. À 28 ans, Gilbert vit dans l'enceinte de l'université. Ici, dans cette chambre, nous sommes à deux. Vous êtes à deux dans la chambre ? Oui, oui. Deux dans la chambre. Gilbert vit dans seulement 8 mètres carrés avec son camarade fidèle. Mais il s'estime déjà privilégié de pouvoir vivre ici. Nous devons vivre comme ça et nous devons habituer à vivre comme ça parce que ça nous aide aussi dans la vie à venir. Parce que si on est pauvre, on doit accepter tout. Et c'est à partir de cette pauvreté que tu vas devenir riche, que tu deviens quelqu'un qui peut aider le pays et même toi aussi, et même la famille. Ce jour-là, Gilbert n'a pas de cours. Il en profite alors pour faire sa lessive dans des conditions un peu particulières. Comme ici, il n'y a pas d'eau. Ici. Et pourquoi il n'y a pas d'eau? C'est la quantité qui est insuffisante d'eau. Okay. Je vais faire ma lessive là-bas. Gilbert est nourri et logé par l'université. Pour le reste, il dispose de 9000 francs burundais, soit environ 6 euros par mois. Dans ces conditions, les moments de détente hors de l'école sont plutôt rares. Quelquefois, nous avons l'habitude de venir ici. Nous pouvons s'asseoir là-bas. Nous échangeons avec les autres. Et nous regardons la circulation aussi. C'est un kiosque ici. Nous prenons des Fanta. Si on a de l'argent, on peut prendre ce Fanta. Alors que Gilbert discute avec un ami sur une place publique, je suis dans l'obligation de stopper le tournage. 5 policiers nous demandent de les suivre dans un sombre poste de police. Il est interdit de filmer dans la rue. Pour ne pas attirer d'ennui à Gilbert, je suis contraint et forcé d'effacer les images. Après 12 ans de guerre civile, le pays est sur la voie de la démocratie, mais la police et l'armée sont omniprésentes. Une démocratie fragilisée par la crainte perpétuelle d'un nouveau coup d'État.